Hey, le direct s'est coupé, oh. Le direct s'est coupé. Massa. Le direct s'est planté. Hey, Cameroun. Hey, Cameroun. Il dit les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Hey, Makoso. Makoso. Hey. Il y a les têtes de mort, il y a les têtes de mort. Où sont les commandants du général? Mettez-moi les cœurs. J'ai dit, et c'est mon nom qui est dans toutes les bouches actuellement. Makoso, Makoso, ton maudia, Makoso, et pour la paix. Enfin, les Ivoiriens ont fêté comme s'ils ont gagné. Ils vont se calmer. Tchè! C'est chaud. Yika, les appels continuent. Yika, tu vois, les appels même continuent encore. Les appels continuent. Les gars, le temps des appels est fini. Le temps des appels est fini. Quelqu'un dit, tu as levé. Non, le maillot est là. J'ai fini le direct. Voici le maillot. Voici le maillot. On a perdu. On a perdu. On a perdu. Bon, juste vous informer que le direct s'est coupé tout à l'heure. Bon, c'était un match de football. Permettez-moi de m'adresser maintenant à toutes les équipes et aux deux camps. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en liesse, comme si nous avons remporté une victoire. Je vois des commentaires, Dieu est Dieu. C'est bien. Si la défaite du Cameroun peut ramener la quiétude en dans les cœurs. Gloire à Dieu. Si le matraquage et le chicotement du général Makoso peut ramener la quiétude dans le cœur et la douceur dans le cœur. Aujourd'hui, au moins les Ivoiriens vont dormir en paix. Enfin, nous aussi, on a eu notre vengeance. C'est bien. Mais le plus important, c'est notre CAN 2023. Aujourd'hui, j'ai la certitude que même si les Camerounais arrivent en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de sentiment de haine. Il y aura seulement le sentiment de taquinement. Ah, vous nous êtes moqués de nous. Vous, vous avez vu. C'est ça le game. Ça, je suis content. Je sais que pendant au moins 3, 4, 5 jours, des gens vont m'attacher, ils vont pas me laisser. Makoso, tu as trahi. Makoso, Judas. Makoso, ceci. Makoso, cela. Ça, là, moi-même, je le sais. Mais, dans la vie, quand tu es un grand et tu as une vision de paix, accepte. Tout ne peut pas être parfait. J'ai même vu des gens. Hein? Tu vois, aujourd'hui, tous les souristes qui font vidéo, les traites de la nation. Ouais. C'est le game. Je l'accepte. Aujourd'hui, enfin, la tension. Actuellement, les gens me sont connectés. Lui-même est dépassé. Je vous en dis, quitte là-bas, traite. Lâche. Il voit rien. Actuellement, ça m'attache. Quelqu'un dit, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Ça m'attache. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après toutes ces choses-là, nous avons nos quotidiens à gérer. Et dans le but de me faire pardonner encore, que ce soit les Camerounais, les Africains qui me suivent, je vous demande à vous tous de m'envoyer un message sur le numéro WhatsApp suivant. J'ai un cadeau que je vous offre gratuitement, mon livre. Quelqu'un dit, tu es un leader. On dit, Marco, sois honte, j'ai honte. Non, j'ai honte. Attends, mettez mes lunettes, même, j'ai honte. Non. Je supportais le Cameroun, ça, je ne vous cache pas. Je supportais le Cameroun. J'ai perdu. Quelqu'un dit, les têtes de mort, s'il vous plaît. Il dit, mettez les têtes de mort si vous voulez. Ma page est certifiée. Je demande à tous ceux qui sont d'accord. Au Camerounais, votre équipe s'est battue. Bec et ongle. Hélas. Et mille fois, hélas, vous n'avez pas pu remporter la CAN, mais vous avez organisé une belle CAN
dans une période difficile, après 50 ans d'absence. Soyez fiers de votre équipe. Maintenant, dans 11 mois, on vous attend à Abidjan. Camerounais, dans 11 mois, on vous attend à Abidjan. Tous les Camerounais seront les bienvenus. Quelqu'un dit, tu nous as déçu, mon frère. Ça, je te comprends. Mais reste déçu et désabonne-toi de ma page. Ceux qui ont compris mon combat, ceux qui ont compris ma démarche, Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas compris, un jour, vous allez comprendre. On ne peut pas forcer à des personnes de tout comprendre. Là aussi, j'ai commis des erreurs dans ma démarche. Je saurai me rectifier. Je saurai apprendre en fonction de votre mécontentement. C'est pour cela, à toutes ces personnes qui sont blessées, qui ont été déçues, je reviens encore vous présenter mes excuses. La Côte d'Ivoire est éliminée. Le Cameroun est éliminé. Le Burkina est éliminé. Nous avons le Sénégal et l'Égypte en finale. Que le meilleur gagne. C'est la passion. C'est le football. C'est la distraction. Mais nous avons des éléments les plus essentiels qui sont là. Quelqu'un dit, demande pardon, on va quitter ici. Mon frère, si c'est pardon à Marco, ça a déjà demandé ça. Si c'est pardon pour ceux qui ont été blessés, Marco l'a déjà demandé. Mais là où je dis, je ne présenterai jamais des excuses. C'est ceux qui pensent que je suis allé vendre le drapeau ivoirien en portant le maillot camerounais. J'étais dans ma démarche de paix. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il n'y a plus d'injures des deux camps. Maintenant que la Côte d'Ivoire a perdu, que le Cameroun a perdu, deux perdants maintenant vont se regarder pour se consoler. Parce que entre nous et le Cameroun, c'est une affaire de belle famille. Je vois des blogueurs qui disaient, non, calmons-nous, les Camerounais sont nos frères. Aujourd'hui, font vidéo pour dire, c'est bien fait pour les Camerounais. Dieu vous a puni. Mon frère, ballon là, Dieu n'est pas dedans. Je rappelle une chose, ballon, football, ballon, Dieu n'est pas dans fait de ballon. Jamais il ne sera dedans. C'est une question de passion. Et tout ce qui est passion est interdit, même par Dieu. Nous avons eu un moment de joie, de peine, de douleur. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur notre Coupe d'Afrique. Notre Coupe d'Afrique, c'est dans 11 mois. Comment les Ivoiriens vont se mobiliser autour de la nation pour réaliser la plus belle de toutes les cannes, pour que les autres pays qui viendront dans notre pays puissent voir la plus douce, la plus merveilleuse de toutes les Coupes d'Afrique. Maintenant que le Cameroun a perdu, que j'ai perdu, parce que j'ai supporté le Cameroun, j'ai encore le maillot camerounais. Maintenant que j'ai perdu, vous vous êtes moqué de moi. J'ai perdu. Yeah! 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 Mathieu! Partez la vidéo, j'ai perdu! Yeah! Aboubaka n'a pas manqué! Yeah! Yeah, wow! Elle va mourir. Yeah! Samuel Eto. Rino Dessa. Roger Mila. Yeah! Yawawo. 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 J'ai perdu. Ah! Nyawa. Ah! Les amis. Les amis, j'ai perdu. J'ai supporté le Cameroun face à l'Égypte. Égypte qui est tu. Vous jouez trois matchs avec prolongation. Vous n'êtes pas fatigué. Adama. Côte d'Ivoire a raté un but, penalty. Ah, Cameroun. Les joueurs là. Toi, aïe. Il y a toi, Eric Bailly, dans votre équipe. Mais c'est le game. C'est le jeu. Aujourd'hui, je vois des Ivoiriens qui sont contents parce que le Cameroun a perdu. C'est le jeu camerounais. Ne vous fâchez pas pour ça. Ça, je demande aux Camerounais de ne même pas faire des vidéos. Ah, donc vous les... Non.
le Cameroun a perdu. La Côte d'Ivoire est éliminée. Que les deux belles familles se consolent. Que les deux belles familles se consolent. Le Cameroun a perdu. La Côte d'Ivoire a perdu. Le Cameroun, l'Égypte a mougou la Côte d'Ivoire. L'Égypte a mougou le Cameroun. Égyptien, vous aussi. Vous mougoussez mal, hein? Donc, on a perdu. Maintenant, là, nous tous, on a assis par terre. Camerounais et Ivoiriens, désormais, là, c'est main dans la main. Tout ce qui a pu se passer au travers de ce match de football, je demande pardon à tout le monde. Tournons la page. Je répète encore, je demande pardon à tout le monde. C'est vrai, dans ces deux jours, les Ivoiriens ont fait des vidéos pour naguer les Camerounais. Camerounais, c'est le game. Camerounais, c'est le game. À partir du moment où les organes n'entrent pas, où il n'y a pas de bagarre, prenons ça pour le game. Prenons ça pour le game. Je sais qu'il y a des Ivoiriens qui sont fâchés sur la base de la manipulation de Facebook. Pas des influenceurs qui m'ont voulu, qui parlent. Je le dis et je le répète. Je ne capitulerai jamais. Ça, je le dis. Tous ceux qui se sont désabonnés de ma page, ne vous rabonnez plus jamais. Restez désabonnés. Parce que vous avez choisi de vous désabonner. Je respecte vos choix. Ceux aussi qui ont dit, général, tu es un homme, tu peux te tromper, car l'erreur est humaine. Ceux qui disent, général, nous là, on te soutient dans ton action de paix. Vous qui avez décidé de vous abonner, je vous donne mon WhatsApp. 00225 01 50 50 50 22. Je redonne le numéro 00225 01 50 50 50 22. Amenez-moi un message. Dis mon général, je veux mon cadeau. Dis mon général, je veux mon cadeau. Dis mon général, je veux mon cadeau. Tous les Ivoiriens, tous les Camerounais, tous les Africains qui vont m'écrire maintenant, les 5000 premières personnes qui vont dire mon général, je veux mon cadeau. Je vous offre un livre gratuit qui fait 20 euros. Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire maintenant. Les gars, voici mes yeux. J'ai honte. J'ai perdu. Actuellement, Stony est en train de se moquer de moi. Eh, Pancho le gâté est en train de se moquer de moi. Ton maudit à Pancho. Yeah! J'imagine actuellement les testicules de Johnny Pacheco. Sa taille en dirait Big Bleu. Hein? Et sinon, on va pleurer. Et sinon, on va pleurer. Non, c'est moi qui dois pleurer. C'est moi qui suis le seul Judas. Yeah! Ah, Makoso. 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 Peuple camerounais, soyez fiers de votre équipe. À vous maintenant de rebâtir une équipe de conquête pour la CAN 2021. Parce que nous, on ne va pas s'amuser à Abidjan ici. Chaque matin, quand le président Alassane Ouattara se réveille, il dit ma CAN 2023. Aux Ivoiriens qui sont conscients, qui connaissent ce que nous avons traversé. Quand les Camerounais viendront en Côte d'Ivoire, bienvenue. Qu'ils viennent voir le développement de la Côte d'Ivoire. Ça va aussi les booster à faire avancer le pays. Voici ce jeu qui doit se faire entre nous. Ça ne doit pas être dans des jeux de guerre, d'injures, d'insultes, de poignardements. Non. On doit être dans un autre game. On doit être dans un autre level. On doit être dans une autre dimension. Combien le président a mis dans cette organisation de CAN, ce sont des milliards. Comment les Ivoiriens vont se mobiliser pour recevoir toutes ces personnes? On ne doit pas s'amuser. C'est une rencontre de football. Dans cette rencontre de football, on a des supporters qui ont exagéré, marchant sur des maillots. C'est grave que Dieu maudit ces jeunes. On a des personnes qui sont allées très loin dans des injures de président. C'est grave. Maintenant, mettons tous balle à terre. Moi, je prends tous les coups. Quand Jésus devait réconcilier les hommes avec Dieu, il a été crucifié. J'accepte qu'on me crucifie par les injures. J'accepte
que pendant 3 jours, ma photo soit mise partout. Marco, sois la honte. J'accepte, c'est le game. Je l'accepte. Mais n'oubliez pas, il y a des gens qui sont enlevés en Côte d'Ivoire. Il y a des femmes qui sont enlevées en Côte d'Ivoire pour être sacrifiées. Voici le vrai combat qui attend les influenceurs. Jusque-là, je n'ai pas encore vu de véritables influenceurs traiter le sujet. Les gens parlent, mais personne n'entre dans le vrai sujet. Mes amis, pour tous ceux qui ont été déçus, je suis assis par terre. Pour tous ceux qui ont été déçus, je suis assis par terre. Mes excuses. Pour ceux qui ne m'ont pas compris, mes excuses. Le général Camille Makosso présente ses excuses. Pour ceux qui ont pensé que j'ai insulté les Ivoiriens, toutes mes excuses. Le général vous demande pardon. Aujourd'hui, c'est moi qui ai tort parce que j'ai perdu. Vous avez raison. Mais, trahir mon pays, on verra dans les œuvres, dans les jours qui viennent, qui sont les véritables traîtres. Aujourd'hui, vous avez raison. Pardonnons-nous. J'ai perdu. J'accepte toutes les injures. Les Camerounais viendront en Côte d'Ivoire. Ils sont les bienvenus. Les Ivoiriens qui sont au niveau du Cameroun, que Dieu vous protège. Je demande aux Camerounais de ne pas regarder aux vidéos qui circulent, les vidéos de joie pour avoir mal. Nous ne voulons pas voir d'affrontement ou des Ivoiriens agressés au niveau du Cameroun après la défaite. Je connais le peuple camerounais, c'est un peuple d'amour. Je connais le peuple ivoirien, c'est un peuple d'amour. Il ne faudrait pas que ça aille plus que là. Il ne faudrait pas qu'au niveau de la France, on voie des Ivoiriens se moquer des Camerounais et après ça va dégénérer. Maintenant, mettons balle à terre. Passons à autre chose parce que nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul continent. Et ce qu'on attend de nous, de la responsabilité, c'est d'unir les peuples pour les vrais défis qui nous attendent, qu'est l'émancipation de l'Afrique, la libération de l'Afrique, des Français, enfin, des, je peux le dire, des colons qui sont en train de nous dominer encore par plusieurs stratégies. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. J'ai tort. J'ai perdu aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a gagné. L'Égypte a gagné. On dit c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Voilà. Mohamed Salah s'appelle désormais Kouakou Mohamed Salah. Mais moi, le frère des Camerounais, Atangana vous dit merci pour votre amour. Aux Ivoiriens qui sont fâchés, il y a qui? Il y a qui? Pardon, pardon, je suis assis par terre, j'ai perdu, vous avez gagné. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom.